Maintenant, on va au pic des Mouches. Un peu plus, moi. Hein. C'est terrible à monter là. Chaque fois, on croit que c'est fini et puis. On n'est même pas à l'oratoire encore. On va pas tarder. Passer l'oratoire de Malivert. Ah là là. Allez, un peu de vélo, on est venu pour ça. Hop là. Et un peu que pédaler et tout seul. C'est pas là qu'on va, c'est l'autre crête suivante, le chemin suivant. C'est trop beau. Par contre, la descente qu'il a mis en travers, là, il devrait partir d'à peu près d'ici ou d'un peu plus loin. Et celle connue, c'est celle qui est sur la montagne qui est à droite. Et on ne peut plus de pousser. Elle monte. Ah. Voilà. C'est pareil, on en compte tout ce qu'on monte. Les jambes pour le vélo, ça va. J'enverrai une photo à Jacques d'en haut. Pilon du roi tout droit là-bas. Tu vois? En l'air là. Ouais, on va faire la trottinette. Comme il n'y en a plus, il y en a encore. C'est
quatrième qu'on passe. Et le bon, normalement, c'est le prochain. Mais il est bien plus loin. Ils sont toutes pourries, les pierres. C'est pas des pierres à vélo, tout ça, là. Pas plus, hein. Ah non, c'est dur. Ouais, c'est lourd. T'es jamais venu toi à Saint-Victor? Non, jamais. Ni l'autre côté là-bas? Non. L'autre côté c'est pareil mais sans le vélo. Ou avec, si tu veux descendre par Bimont, par le. Tu vois le lac en bas là? C'est le barrage de Bimont. Ouais. On descend jusqu'à là-bas, c'est joli, hein. Il y a de l'herbe, il y a de l'herbe. À moins que tu veuilles une photo avec le vélo sur les cailloux. Un gros coup de vent, il va jusqu'en bas le vélo. De Dieu. Oh. Gardane, la cheminée là-bas. Putain, mais qu'il fait chaud. Pas trop ça, il y a du vent frais quand même. Hein. Ah ouais, au fait, toute la crête de la Sainte-Victoire. Jusqu'à la croix qu'on voit, enfin, moi je la vois, vous, vous ne devez pas la voir. Et là aussi il y a un chemin. Ça fait 6 km jusqu'à là-bas. Ouais. Même à vol d'oiseau. Puis mine de rien, c'est tout comme ça. Hein. Ah, le seul bon souvenir que j'ai, c'est la descente sur Bimont là-bas, passer sur le barrage, mais c'est pas ouvert aux voitures, donc tu vas tranquille. Ouh ! Putain, le pneu, il a pris là. Pas pu voir l'heure. Oula, j'aime pas ça pour le gravier.
devait pas être là. Pour redémarrer dans ces merdailles. Je vais doucement parce que je me repose. Pas mes pieds. Moi non plus. Mais j'ai putain de soif, attends. Ah ouais. Bon ben. Le but de jeu c'est qu'on se mène pour aller au bistrot. Pour boire la bière. Mais je crois que c'est encore pire ça que ce qu'on a descendu, qu'on se remonté. Hein. Mais il y a moins de branches. Ouais. Il y a plus de cailloux, mais il y a moins de branches. Ok. C'était plus joli à droite. Aïe. C'était plus joli à droite. Toi aussi. Ah ouais, bloqué. Ouais, heureusement que je suis tombé plus haut, sinon je suis tombé dessus en plus. Alors, bon. J'ai descendu là droit dans le trou là. Ouais. Putain, je me suis vu tomber, je me suis pas arrivé à sauter du vélo. Ben, je suis tombé juste le trou dans le dessus. T'es tombé aussi? Ouais. Je suis derrière la grosse bosse et la pierre, la même merde que toi. Il est parti à gauche le vélo dans les bois. Je suis tombé sur le caillou à droite. Ah ouais. En fait, je me suis arrêté pour regarder. Je vais pas pouvoir continuer moi, je descends à pied, je pense. Il y a les lunettes par terre. Hein. Juste au moment où j'ai dit c'était mieux à droite, tu as entendu ça? Non. Non. Juste en dessus j'ai dit oh, c'était mieux à droite. Et, regarde, à droite c'est de l'herbe. Bam. Bon bah cool. C'est quoi 4 sacs?